le conditionnement, déconstruire pour reconstruire. Dès le plus jeune âge, nous sommes conditionnés à avoir un certain mode de vie, conditionnés à croire en certaines choses, que ce soit des croyances religieuses, que ce soit l'éducation financière, que ce soit les rapports humains que l'on peut avoir. Nous sommes tous conditionnés. Et je pense que le plus dur dans la vie est de réussir à sortir de ce conditionnement et d'ouvrir beaucoup plus largement son esprit. On voit énormément de gens avoir des croyances extrêmement limitantes. Le conditionnement psychologique que l'on peut avoir depuis le plus jeune âge nous empêche de voir plus loin. Un exemple avec mes chiens. J'ai deux chiens. Depuis le plus jeune âge, ils ont été conditionnés à me suivre. Lorsque je me balade sans laisse, mes chiens pourraient partir et s'enfuir. Eh ben non, s'ils le veulent, je ne pourrais jamais les rattraper. Et pourtant, mes chiens dans leur tête sont conditionnés à rester à côté de moi. Ils sont limités à rester à côté de moi. Alors qu'ils pourraient s'enfuir, le conditionnement. Et c'est le cas pour nous, humains également. Nous sommes conditionnés à rester avec nos croyances limitantes. Et le challenge est de déconstruire ce conditionnement afin de voir plus loin.